Eh bien, salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Doom. Et à présent, vous vous doutez bien que je sais comment m'y prendre. Alors on va essayer de mourir dès le début. Hop. Début de l'expulsion dans 5, 4, 3, 2, 1. Bah donc j'ai regardé Asolus et vraiment honnêtement c'était pas évident, mais alors vraiment pas évident du tout. Alors faut attendre que le laser il descende là. Et en fait il faut tirer sur ces trucs. Voilà. Sur ça là. Alors on va attendre que ça remonte. Alors du coup en fait ça va désactiver le laser. Et bizarrement la caisse là va s'ouvrir comme par magie. Hop. Hop. Voilà, magie. Allez, hop, on récupère le BFG. Ok. Qui, vu toute la petite mise en scène, a intérêt à être la meilleure arme du jeu. Hein. Alors là, avec tout ça... C'est quoi cette arme? Regarde-moi, on dirait un putain de plateau. D'accord. Bonjour. Alors BFG tu es impuissante. Non. Où c'est vous? Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer là au juste? Ok, ils ont tous fui. En fait, c'est vraiment l'arme la plus pétée du jeu. Bon, évidemment, on n'a pas beaucoup de balles, mais d'accord, en fait, ça one-shot tout. Et ça rebondit sur les ennemis à côté, en plus. On a vraiment bien fait d'aller chercher cette arme. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Il me semble que le BFG, c'est l'arme mythique de Doom, en fait. Par contre, ils veulent que j'active ça, mais... Alors, à ça verrouiller... Hein. Alors qui est-ce que je n'ai pas tué encore? Voilà, il y avait un sorte de relais démoniaque ici que nous avons pu désactiver. Tu permets, je récupère ça. Et là, ça va chauffer pour ta gueule. Allez, ciao. On le bute. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le full heal, non? Non, c'est quoi? La fois que j'avais ramassé un truc comme ça, ça m'avait donné l'armure aussi en plus. Là, je crève. Par contre, il y a des portails de couleurs différentes. Oh non, 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 pas lui! What? Ah, c'est Portal en fait, réellement. D'accord. Ah ouais, je m'y attendais pas parce que... Je m'étais même pas vu me diriger vers en fait. Ah, on récupère tes balles. Les orteils tendus là, c'est chaud. Allez, putain, mais je te déteste, toi. Il est où? Ah, viens là. Oh là là, mais attends, mais vous êtes combien?
tapite un petit peu là. Et lui aussi qui veut jamais mourir. Mais voilà, elle va me tuer encore. Attends, récupère ça là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Je passe dessus, ça fait rien. Elle récupère l'armure. On va changer d'arme. Je vais crever. Pas encore longtemps. Attends. Oh là là, non pas eux. Eux, c'est ceux qui t'envoient un coup de dent là et c'est fini. Viens là, toi. Mais ils ont pété un câble. Attends. Est-ce que j'ai le BFG là? Il est où mon BFG? BFG? J'ai pas le BFG. What? J'ai fait tout ça pour récupérer une arme, elle a disparu. Ah mais je crois qu'en fait, voilà, d'accord. Le BFG c'est un peu comme la tronçonneuse, faut appuyer sur une touche spéciale pour l'activer. Ah j'ai eu très peur. Donc carré pour tronçonneuse et triangle pour BFG. C'est pour ça que j'avais appuyé sur triangle la dernière fois. Et en fait ça avait changé d'arme. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait en bas, j'étais plutôt pressé de me débarrasser de la horde d'ennemis qu'il y avait là. Ah oui, quand même, hein. J'ose même pas imaginer ce qui va se passer lors de la dernière mission. On va avoir un gunfight de 50 minutes. Ah, c'est pas fini. Non, mais c'est pas possible. Allez. Allez. Non, mais regardez-moi ça, sérieusement. Eh bah putain, non mais laisse-moi passer par contre. Juste attends. Allez, dégage. Good. Ah c'est bon, c'est vraiment fini. Ok. Merci bien. Eh ben dis donc. Donc ça y est, on a fini la mission. Évidemment, on a eu les 5 points de combat. Comment ne pas les avoir avec tout ce qui s'est passé? Par contre, j'ai pas fait attention au défi. C'est pas bien grave. Allez, on continue. À droite, le nombre d'épreuves runiques qu'on a fait sur le nombre qu'il y avait en totalité dans le niveau. Bah là, on en a fait 1/2. Donc c'est vraiment qu'on en rate plein à chaque fois. Mais on s'en fout. Hein, nous, on est là pour défoncer du démon, pour atteindre la fin du jeu. C'est comme ça. Alors par contre, j'espère que mon son du micro va être bon, parce que mon casque est en train de décéder, littéralement. Le câble est en train de se couper. J'ai vraiment pas envie d'en acheter un nouveau. Voilà. C'était mon petit vlog in vidéo. Je vous raconte ma vie. Il faut que je me rachète du matos. Un casque comme ça, ça coûte putain de 70€, et 70€, je ne cesse de m'imaginer un jeu, en fait, un jeu neuf. Donc j'ai essayé de le tenir, ce casque, hein, parce qu'il était mort depuis longtemps. Hein. Avec ma putain de grosse tête, là, en même temps, ça n'a pas dû être facile pour lui. Les deux branches, là, elles se sont pétées, j'ai foutu 3 fois du scotch. Et du coup, j'ai plus de scotch et je peux pas sauver le câble. Vous trouverez l'hélice de pierre dans le labo privé d'Olivia, au cœur de ce complexe. Peu l'ont déjà vu.
Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous pourriez voir quelque chose qui nous échappe. Comme quoi, mon cher Samuel? Putain, ça a l'air très sympathique par ici. Charmant. Alors, on va se soigner. Voilà, donc si vous avez un bon casque à me conseiller, n'hésitez pas. Là, j'étais sur un Turtle Beach PX12. Ça doit faire 3-4 ans que je l'ai, en fait, ce casque. Hein. Avait annoncé son retour dans leur... Message à la question du personnel de la... Un forum se tiendra au sujet de la décision. Ouais, par contre, je la connais déjà, cette mission. Parce que je suis Mr. Squeezie, moi. Et il avait eu le droit de présenter cette mission avant la sortie du jeu. De toute façon, il cut à fond ses vidéos, donc... c'est pas comme s'il avait spoilé grand-chose. Voilà. Non, non. Ouais, ça me fait délirer quand tu vois un ennemi tanké comme ça. Voilà. Allez hop, on récupère les munes. Oula, ouais, je pense que... Ouais, va falloir... Oh putain, c'est dégueu. Allez hop, va là-bas toi. Et en fait, les ennemis n'attendaient que ça pour venir me péter la gueule. Je pense pas... soit le bon chemin, honnêtement. Ah si si, d'accord. Ok. Allez. Oula. Il y en a un qui a repeint le sol par ici, hein. Ça donne envie de manger tout ça. Alors toi, tu dégages. Je vais désactiver le relais démoniaque. C'est... Hop. Et là ça va partir en couille incessamment sous peu. C'est parti. Grenade. Allez. Je me suis coincé comme un connard. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Super bordel. Première fois qu'on fait ça, hein. Ok. On va essayer un petit peu en hauteur. Ah si, il y a un bonus ici de célérité. On le prend direct. Pas fini, on va foncer sur le gros là, lui mettre une grenade, hop, triple shoot, allez, oh là, je me dis que ça va être tellement stylé à regarder Doom. Du coup... Bonjour. Salut les copains. Toi tu dégages. Et toi tu vas dégager aussi. Et... toi aussi, pardon. Je pensais que c'est du carburant, ça. Cherche une volontaire pour le nouveau... qui va prendre des recherches et des humains. Développez votre potentiel. Découvrez de nouveaux horizons. Et dépassez les limites de votre...
Olivia a activé l'onde infernale depuis ce complexe. J'espérais qu'elle parviendrait à se soustraire à leur influence. Mais je me suis trompé. Elle était plus faible que je ne croyais. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter cette fois-ci? Est-ce qu'on peut augmenter le BFG? Ah non, ça serait trop bien. Du coup, il n'y a que ça qui n'a pas été amélioré encore. Alors, micro-missile, maintenant le 2, le module d'arme charge des micro-missiles, ouais. Mais tactique, ouais, bon, micro-missile. Ok. Tu sais, t'as un truc, c'est une vague de lance-roquettes, et l'autre, c'est un viseur. Oui, bon. Je pense que notre choix est fait, surtout que le fusil d'assaut est déjà super précis, hein. La lunette ne serait que désavantageuse à ce niveau-là. Parce que du coup, tu vois même plus les ennemis qui arrivent à droite et à gauche. Y a pas d'interaction à faire avec ce truc, non, ici. Hop hop hop. Donne-moi ton jeton Predator. Et là, il y avait quelque chose que j'ai ramassé, ça devait être des mines de Gatling. Ok. Et cette zone est secondaire, hein, visiblement. Allez, on retourne en arrière. Ça, c'est sûr, il y a un truc à faire avec, non? Pas du tout. Ok. Ouais, en fait, toute cette sous-zone était complètement secondaire. Et en réalité, ça devait être plutôt par là. Attends. Si je vais ici, puis ensuite, je vais là. Oh, il y a un robot. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais pas le récupérer. Mais il est où le chemin là? Ah là là, ça commence à m'énerver. Là, ça ne s'ouvre pas. Hein. Ah, franchement, je ne vois qu'une solution, c'est par là-bas. Mais on a vu, c'est bloqué. Il n'y a rien à faire. Alors ça, qu'est-ce que c'est, bon sang de bonsoir? Ça fait 3 fois que j'en récupère un, mais ça me fait rien du tout. Le programme revenant. Donc qu'est-ce que j'ai dû oublier ici? J'étais passé par là. J'avais récupéré un petit robot. Et en fait... Ah bah voilà, c'était ici. Ok, très bien. Mais à coup pas, comme d'habitude. Super stylé les missiles, hein. Et c'est puissant en plus. Non, mais non. Mais vraiment, je sais pas qui c'est le connard qui a inventé lui avec son bouclier. Heureusement qu'il était seul parce que quant à lui avec 3 gros porcs là, mais vas-y laisse tomber. Hein. Bah tiens, le retour du connard. Le pire c'est qu'il fait des dégâts de malade. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Quelle est cette chose? Et bah putain, ça devait être sympa de travailler avec Madame Olivier Pierce, hein. Ça respire la joie par ici. Ouais, bon, on a pas le choix. C'est par là. Ok, elle était en train de disséquer un gros porc. Justin, allez, 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 allez. Mais c'est de la merde ce fusil plasma, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment l'arme la plus nulle, hein.
Hormis pour le stun, mais sinon... vraiment de la bonne merde. On va faire le... Ah ouais, parfait, il y a un téléporteur ici. Hop. Je les ai mis dans le vent. Un et deux deux. Vraiment c'est dommage parce que ils auraient pu faire des multiples glory kills. Ils auraient pu avoir un style de dingue. Et ben lui avant qu'il crève. Avec son bouclier de merde là. Non! Le quad de... quad damage, laissez-moi le prendre. Toi, voilà, ta gueule. C'est par où? C'est par là. Il me faut ce quad damage. Et en plus, ça me full life quand je le récupère, mais c'est très bien. Voilà. Quad damage plus lance-roquette MDR. Apocalypse. Ok, là j'en ai vu un connard par ici. On est bon. Ah, il s'est passé quelque chose, non? Ah, mais c'est juste une immense table d'opération qui glisse ensuite par là. Alors. Se fout la mot. Ça on ouvre s'il vous plaît. Yeah. Ah je pensais qu'il allait complètement défoncer à porte. Tu m'as déçu. Alors récupère la sérité, c'est parti. Allez, allez, allez. En fait la sérité ça devient carrément mon power-up préféré quoi. Cette sensation de vitesse c'est énorme. Ça augmente vraiment tout, même la cadence de tir, tu vois, de mon fil d'assaut, elle est augmentée. Bon, là, c'est fini, mais... Oh là là. Ok, ok, on se calme. Stun. Allez. Oh là là, je l'ai égorgé avec sa pauvre dent, là. Et voilà. Oh là là, c'est vraiment excellent. Du coup, ça s'ouvre. Ah non, il reste encore un connard. Maintenant, ça s'ouvre. Intrusion démoniaque terminée. Fin du nettoyage. C'est vraiment badant. Hein. Allez, on prend l'ascenseur. C'est la fin de la mission déjà? Oh bah elle était bien rapide celle-là. Ah non, c'est pas fini. Oula. Ok. Oh putain, d'accord, c'est l'écran de chargement qui est comme ça, donc on va se retaper cette... Arrêtez, je vais devenir fou. En plus, si le chargement il est long, on se tape... Oh, on va se taper trois fois la scène là. Et je vais faire des cauchemars. Voilà les amis. Vous allez bien dormir ce soir. Ok, c'était pas fini, c'était juste un très long chargement. Et voici l'hélice de pierre.
Alors qu'est-ce que j'en fais de votre hélice de pierre, moi? Perdre les plaques d'armure, c'est que ça va très vite partir en couille. Vous n'auriez pas dû permettre que ce lieu soit découvert. Vous avez échoué. Ce n'était pas moi, c'était Samuel. Il les mène à sa tombe. Je vous en prie, nous pouvons surmonter ça. Je vous promets, le portail s'ouvrira comme prévu. Vous avez été effectivement possédé. Alors, possédé par qui? On saura très vite. Sécurité manuelle activée. Tous les terminaux sont maintenant accessibles. Donc là, il y a notre armure et il y a notre tombeau. Donc, en fait, j'ai l'impression que quand il parle de tombe, bah oui, bah c'est nous en fait. Et la voix démoniaque avait l'air d'avoir vraiment très très peur de nous. Est-ce qu'en réalité ça ne serait pas un reboot, mais ça serait vraiment la suite des tout premiers Doom? Alors je les ai pas fait, hein, mais je suppose qu'on avait déjà réussi à repousser l'invasion démoniaque une première fois. Et que du coup peut-être qu'on a été enfermé dans un tombeau en enfer, qu'ils ont voulu nous sceller pour plus que jamais on les empêche de conquérir la galaxie finalement. Hein. Alors je peux pas récupérer ça, c'est très bizarre, j'en ai récupéré 3 déjà. Et là, bah ils ne veulent pas. Alors quelle est la logique? Je ne sais pas. Si quelqu'un sait ce que c'est que ces petits trucs qui tournent, qu'ils me le disent parce que ça m'intrigue. Hein. Allez, on va par là-bas. Donc oui, en fait, c'est pas un reboot, ça a l'air carrément d'être une suite. Hein, on contrôle le même Doom Guy, hein, comme ils aiment bien l'appeler, et voilà, en fait, on a été libérés des enfers pour combattre les démons une nouvelle fois. Et c'est pour ça qu'on est énervé contre Samuel Hayden, certainement. D'accord, c'est pas vraiment une épée, hein. Plus une sorte de dague ou un bâton, voilà simplement. Ce qu'il cherchait. À le creuser. Vega, tu as les coordonnées. Donc voilà, en fait, oui. On est énervé certainement contre Samuel Hayden parce que bon, bah. Du royaume des il a fait des expériences sur les démons et qu'on sait que les démons c'est vraiment très dangereux puisqu'on les a combattus dans le précédent jeu. Le seul disponible dans le secteur est dans le spécimen CD-587. Vous allez devoir l'enlever. Une fois que vous aurez extrait l'accumulateur, il deviendra instable. La rupture de son enveloppe provoquera une perturbation assez puissante pour vous projeter dans leur monde. Nous pouvons déterminer votre point d'entrée en utilisant le système de porte que j'ai transféré dans votre armure. Il est impératif de récupérer le creuset. Sans lui, nous ne pourrons pas refermer le puits et le portail vers l'enfer ici, sur Mars. D'accord. Ok, d'accord, ça part en couille, voilà. J'étais en train de dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Baston! Je cherche pas à comprendre, petit Doomguy, tu es là pour te battre. Voilà. Donc du coup, tout ça me donne vraiment très envie de jouer au premier Doom. Alors, le Doom 3 n'a rien à voir, apparemment. C'est vraiment du survival horror. C'est particulier. Mais alors, les tout premiers, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça ferait des jeux bien rétro sur la chaîne, puisqu'on s'y met avec les Final Fantasy. On peut bien continuer sur du Doom, hein. Le premier fast FPS. C'est bien ça, hein. Doom c'est le pré-fast FPS, ou c'est Wolfenstein 2, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est un des deux. Bon, je vous dis, un jour on fera les Doom, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. Tellement de jeux à vous faire. Il y a trop de jeux, il y en a trop, c'est incroyable. On n'aurait pas assez de Divi pour tous les faire. Et j'ai envie de te dire, c'est ça qui est bon. Oh là 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 là, allez, 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 allez.
finit plus. Oh non, non. Oh, y'a la boule, là. Elle a voulu m'envoyer un coup dedans, là, je l'ai vu. Salope, bah. Dégage. Allez, on le finish. Nad. Attraction démoniaque terminée. Fin du verrouillage. Et voilà. Ça s'ouvre. Merveilleux. Mais sérieusement, qu'est-ce qui branle même ici, quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais là, elle est vraiment devenue folle, quoi. Elle a dédié un hôtel à Satan, ici. Oh putain, regardez-moi ça. Voilà, ils ont poussé le vice jusqu'au bout, quoi. Très bien. Et là, il y a un portail, hein. On va activer ici. J'aime pas du tout ce bruit là. On se barre. C'était pas par là. GG. Non mais non. Mais arrêtez avec ce putain de connard au bouclier, hein. Vraiment. J'insiste. Rien que de le voir, ça m'énerve. Il va me buter lui. Attends. Voilà. On prend pas de risque. Vous avez vraiment mis dans le mal. Ok. On y est là. On est en plein dedans. Cette vague de l'enfer modifiera le destin de l'humanité. En ce jour, nous apportons notre contribution à leur cause. Notre salut repose sur eux. Je vous ai sorti de cette tombe dans laquelle nous jacions tout pour cette raison. Je savais qu'elle était faible. Notre travail n'est pas sans risque. Et je vous ai libéré de votre prison pour limiter ces risques. Je savais qu'en cas de catastrophe, vous seul pourriez les arrêter. Mm-hmm. Donc ma théorie semble tout à fait juste. On va activer le réfracteur énergétique. Ça y est, on a sauvé le monde. Bon, on fait plus jamais ça, toi. Bah, on va rusher. Ah, d'accord. Attends. Pourquoi c'est condamné par ici? On va passer par au-dessus. Non, pas cette fois. YOLO, c'est par là. Non, ça a pas l'air par là non plus. Attends. Grenade. Faites-moi un peu d'espace, s'il vous plaît. Ça va être par là alors. Je meurs ou je meurs pas? Je meurs pas, j'ai eu peur. Ils sont déjà morts pour moins que ça. Verrouillage actif.
Et ça repart en couille. On prend le quad damage. C'est parti. Allez. Certainement le dernier gros gunfight de la mission. Et après, là, l'écran de fin de mission, on arrêtera l'épisode ici. On aura bien taffé pour aujourd'hui. Attends, je peux avoir le quad damage plus la célérité. Oh là là. Oh les pauvres. Oh, le niveau il est construit vraiment bizarrement. Hein. Des obstacles de partout. S'arrête plus. Allez, allez, allez. Faut être bien réveillé quand même. Hein. Allez, on prend ça. On se fout life. Tic, 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 tic. Apparemment, c'est pas ici. Faut réemprunter un portail. Non, c'est pas ça. Attends. Ouais, c'était par là. Simplement. Hop. Et là, là, je pense qu'on y est. Là, on va retourner en enfer. Vous allez devoir arracher l'accumulateur argent qui alimente le cyber des mondes. La déstabilisation du cœur provoquera une perturbation qui vous renverra en enfer. Une fois le creuset en votre possession, nous vous sortirons de là. Très aimable de ta part, Samuel. Voilà. Encore cette boule là. Alors qu'est-ce que c'est? Attends, je peux interagir avec apparemment. Hein? Ah, il y avait un codex. Mais non, mais alors cette boule ne sert à rien. Ah, clairement. Hop, hop, hop. Là. Pour moi, cette boule, c'est la super vie, celle qui te full life, full armure. Sauf qu'on l'avait récupéré plusieurs fois et... Et je crois qu'on est dans la merde, là. Je crois qu'on est dans la bonne merde. Ok, premier combat de boss du jeu. Et ben, je l'attendais, celui-là. Oh bah, alors toi, mon gars. Oh bah, alors toi. Tu vas manger. Tout ce que j'ai retenu depuis le début de ce jeu pour un pauvre boss. Il me déchire par contre. Oh mais il est grave chaud en vrai. Putain mais je suis passé dessus, ça s'est rien passé. Mais non mais vas-y. Ok d'accord. Il déconne pas trop le boss hein. On va essayer de l'avoir. Il nous le faut. Je veux buter ce putain de boss. Bon, du coup, on se retape à chargement de l'infini. De l'infini et de l'au-delà. Tu vois, tu passes de 0% à 85%. Ça n'a aucun sens.
Là, on est à 94, 95, allez, voilà. Go. Donc là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, putain, c'est bon, ça va pas toucher. On va commencer par lance-roquette. Faut vraiment lui faire super mal. Sans perdre de temps. Allez. Tu vois. Le lance-roquette, c'est ça. Vous avez un problème contre un boss? Sortez le putain de lance-roquette. Et enculez-le. Ça marche bien. Regardez le pauvre, il peut rien faire. C'est complètement pété aussi. Et voilà. Comment battre un boss? Attends, d'accord, en fait c'est pas fini du tout. Glory kill. Voilà, je la sentais à deuxième phase, d'accord. Oh putain. Ok. Bien. On se concentre. Oh putain, mes orteils ne te disent pas merci, Doom, là. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, je suis tendu. Ah, il m'a fait grave mal, il me faut du soin. Mais je suis sûr que c'est du soin, cette sphère, mais elle doit être buggée. Ça, normalement, c'est la super vie. Mais donne-moi de la vie. Ah bah ouais, je me suis tué, j'ai voulu. Je me suis dit peut-être qu'il faut lui tirer dessus. Non, mais il y a un bug, en fait. Il y a un bug, parce que ça, je suis persuadé que c'est la super vie. C'est celle qui te fout l'armure et qui te fout life. Mais bordel, je passe dessus, je ne la ramasse plus. Alors avant, je la ramassais, ça me donnait ni vie et ni armure. Et là, depuis un moment, je passe dessus, ça ne fait rien. C'est très bizarre. C'est comme le bug de la grenade. Il faut faire un patch, là. Il y a besoin d'un patch. En tout cas, du coup, il faut que je bute le boss avec que 200 HP. Bon, 200 HP, c'est déjà pas mal, mais... Et du coup ils m'ont full roquette, ça c'est plutôt sympa de leur part. Alors, et ces trucs de feu là, vraiment, c'est complètement abusé. Là, je te l'ai dégommé. On part sur un fusil Blaus. Allez. Allez, mon con. Oh putain, oh putain. Attends, change d'arme parce que, en fait, elle est vraiment nulle celle-là. Contre le boss, vite le glory kill, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah ouais, là je vais aller faire une bonne sieste parce que ça m'a crevé. Hein. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne plus? Ah bah là tu vois, je l'ai ramassé. En fait, je l'ai ramassé parce que je n'étais plus full life certainement, mais ça ne m'a rien donné. Ça a bugué. Du coup, je vais là. Ouais. Go. Mission terminée, les amis. Et ben, on aura fait un épisode un peu plus long que d'habitude. Mais franchement, ça valait le coup. C'était éprouvant, mais ça valait le coup. Donc, les amis, on va se laisser sur ça pour cet épisode Doom. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouvera très rapidement pour la suite. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.